too much wine for Thursday night. It's only 6 o'clock. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour une toute nouvelle vidéo concernant la photomanipulation pour apprendre à faire un délicieux fruit en or avec quelques coulures. C'est parti. Alors pour commencer, la première chose que j'ai faite, c'est d'ouvrir un fichier que vous avez ici et puis de lui mettre un fond. Donc pour ça, j'ai choisi l'outil dégradé avec l'option radiale et puis les deux couleurs qui ont été prises sont du blanc vers un léger gris. Je m'arrange pour mettre le blanc au centre du plan de travail. Voilà. Voilà, donc maintenant je viens coller le fruit comme ceci et puis je vais venir effacer le fond. Donc je prends l'outil baguette magique, je sélectionne le blanc et je vais venir le supprimer. Pour affiner le détourage, je vais venir mettre un masque de fusion, je vais venir prendre le pinceau avec du noir et puis je vais venir effacer ce qui dépasse, notamment en bas. Donc voilà, une fois que c'est fait, je viens dupliquer ce calque pour m'en garder une copie en sécurité au cas où j'ai besoin de revenir en arrière. Et puis je vais maintenant essayer de donner une couleur d'or à ce fruit. Donc pour ça, je passe par l'onglet images, réglages et puis teinte saturation. Donc ici on peut voir qu'on peut lui donner n'importe quelle couleur. Voilà, donc ça correspond pas forcément, par contre c'est un peu l'opposé de la couleur que vous choisissez. Pour avoir la couleur que vous souhaitez, il faut venir cliquer sur redéfinir. Comme ceci. Donc maintenant on va venir plutôt dans les jaunes orangés et puis pour avoir cette couleur or, on va jouer sur la saturation et la luminosité. Une fois que vous avez le résultat souhaité, il vous suffit simplement de cliquer sur OK. Ensuite, donc ici je m'occupe juste à venir affiner mon détourage. Et puis, une fois que c'est fait, je viens dupliquer de nouveau le calque pour m'en garder en sécurité. Et je vais maintenant m'occuper de lui donner un aspect or. Donc on lui a donné la couleur, maintenant on veut qu'il ait la texture et l'aspect. Donc pour ça, je viens dans la galerie de filtres. Je choisis l'option chrome. Voilà, comme ceci. Et puis je viens jouer sur les options. Donc comme je veux que ça soit le plus lisse possible et le plus brillant possible, je viens enlever les détails, donc je diminue au maximum et puis j'augmente le lissage. Voilà, donc je fais OK. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a deux endroits avec des irrégularités, donc comme ceci, un au centre et un peu plus haut. Donc ça, je vais venir essayer de le corriger. Donc pour ça, je vais jouer sur le fruit qui a la couleur or. Excusez-moi. Et je vais venir pour savoir où exactement jouer, j'ai diminué l'opacité du calque qui a le rendu chrome. Comme ça, je vois où sont les irrégularités. Je viens sélectionner ces zones-là sur le fruit qui a la couleur or et pas sur le calque chrome. Et puis, je vais venir tenter de flouter ces parties, donc soit avec l'option flou gaussien, soit avec l'outil doigt. Excusez-moi, décidément. Soit avec l'outil doigt qui comporte l'option dispersion activée. Donc ici, je vais tenter un léger flou gaussien qui, vous allez voir par la suite, ne sera pas suffisant. Donc je vais passer à l'option doigt avec
l'option dispersion activée, ça c'est très important, c'est pour éviter d'étaler les pixels et d'augmenter cet effet d'irrégularité. Hop, je fais attention d'avoir les bons réglages, donc j'augmente le pas. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est toute une série de floutage et d'effets chrome jusqu'à ce que j'obtienne l'effet voulu. Donc ici, on voit que les irrégularités sont toujours là. Donc je vais annuler et je vais revenir travailler sur le fruit qui a la couleur or pour essayer de diminuer un petit peu les transitions un peu trop brutes. Voilà. Et donc, et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne l'effet voulu. Une fois que j'aurai cet effet voulu, eh bien, je n'annulerai plus, je cliquerai sur OK pour avoir le calque avec l'effet chrome. Voilà, donc cette fois-ci a été la bonne. Donc maintenant, ce que je viens faire, c'est que je vais venir mettre le calque en incrustation et diminuer légèrement l'opacité. Donc on voit bien l'effet avant-après, on voit bien que ça lui rend un petit peu cet aspect brillant avec le reflet. Et puis ensuite, donc ce que je vais faire, c'est que je vais par contre masquer cet effet au niveau des feuilles et de la tige de la poire. Donc pour ça, je viens lui mettre un calque, un masque de fusion, et puis avec l'outil pinceau noir, et bien je viens gommer cet effet à ces endroits là. Maintenant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai redupliqué le calque du fruit couleur or, et pour adoucir encore plus tous ces effets, je viens lui mettre un flou gaussien, donc vous avez pu voir, et enfin il va falloir masquer tout ce qui déborde du fruit pour que ça soit un peu plus propre. Donc je viens jouer sur donc je viens d'abord récupérer la sélection du fruit du calque en dessous, donc il s'agit tout simplement de maintenir la touche CTRL enfoncée et de cliquer sur le petit carré du calque, et enfin j'inverse la sélection. Donc pour ceux qui ne savent pas faire, c'est CTRL I et je viens supprimer tout simplement en appuyant sur la touche SUP. Donc là je fignole un petit peu le détourage. Et puis maintenant, les trois calques d'intérêt. Donc nous avons premièrement le calque couleur or, le calque qui est couleur or avec un flou, et le calque avec l'effet chrome. Je les regroupe dans un groupe. Je duplique ce groupe pour pouvoir revenir en arrière au cas où. Et enfin, donc j'en masque un des deux. Et celui qui reste, je fais un clic droit, fusionner le calque, les calques. Donc maintenant, toutes les images sont... tous ces trois calques sont regroupés en un seul, et je vais venir jouer sur les ombres et les lumières. Donc pour ça je prends l'outil obscurcir ou éclaircir et je viens amplifier donc ces ombres. Donc là j'ai l'outil obscurcir, j'insiste sous la feuille pour créer l'ombre
de la feuille sur la poire. Voilà, comme ceci. Ce qui est important de voir, c'est qu'il faut bien choisir les bonnes options. Donc en haut de votre logiciel, vous avez les options teinte claire, teinte moyenne, teinte foncée. Donc ça, c'est à vous de voir, parce que ça dépend vraiment de l'image de départ que vous avez. Ça, je ne peux pas vous dire quelle option prendre. Tout simplement, si vous ne prenez pas la bonne, soit vous allez griser votre travail, donc au lieu de foncer, ça va lui donner un teint grisâtre, soit ça va lui donner une teinte vraiment trop flashy et pétante. Donc après, à vous de voir, vous le verrez en le faisant. Donc ensuite, je viens prendre l'outil éclaircir, donc qui est situé juste dessous l'outil obscurcir, et je viens jouer sur cet effet brillant, donc lui donner un peu de brillance. Et donc cet objet en général brille même sur les bords, donc c'est pour ça que même là où il y a de l'ombre, je viens ajouter un petit peu de brillance sur les bords. Exemple typique de ce que ça pourrait donner si les teintes sont pas bonnes. On voit bien que plutôt d'obscurcir, ça a fait vraiment assez gris. Donc je reviens sur ce que j'ai fait et je vais changer les options. Là on a quelque chose de plus flashy, mais ça tombe bien, ça me dérange pas puisque c'est ce que je cherche. Ensuite, maintenant je vais venir amplifier cet effet de brillance. Donc pour ça j'ai créé un nouveau calque et puis je prends un pinceau avec des bords un peu plus doux et une opacité et un flux léger. Et je viens cliquer sur les endroits qui sont déjà brillants, donc ici sur le bord et puis sur le centre de la poire. Donc voici, très bien, un tout petit peu sur la feuille, donc ici les bords sont trop durs, je vais venir les adoucir. Hop, je diminue la dureté. Très bien. Et puis je viens mettre ce calque en mode incrustation. Ça lui rend un petit peu plus de couleur et de brillance. Enfin, je reprends mon outil doigt avec toujours l'option dispersion activée pour venir adoucir la lueur sur le fond. Donc maintenant je vais venir mettre ces deux calques dans un groupe, ça c'est ma manie à moi, toujours regrouper les calques. Et je vais venir lui donner une taille un tout petit peu plus petite et le recentrer. Voilà, donc je vais venir dupliquer ce calque, cacher le second et me le garder en réserve au cas où. Non, même pas, je vais venir dupliquer ce calque et faire une transformation manuelle. Donc je vais le retourner. Donc transformation manuelle, pour ceux qui ne savent pas, le raccourci c'est CTRL-T. Et je viens le retourner pour venir créer un reflet. Afin que le reflet soit le plus doux possible, je viens prendre le masque de fusion. Donc là ça va pas, je vais recommencer. Et hop. Alors si vous n'avez pas du tout le même rendu que moi, pas de panique, c'est peut-être que vous n'avez pas coché les mêmes options. Donc après c'est à vous de vous adapter, vérifier si la couleur est inversée ou pas. Si vous avez un gradient radial
pas, un dégradé gradient, je vais y arriver, un dégradé linéaire ou radial. Voilà. Alors, donc je parle, mais je vous dis pas la suite. Donc ici, je vais venir assombrir un petit peu les bords de votre plan de travail, Et puis, donc j'ai créé un nouveau calque et j'ai pris une brosse assez large avec des bords très doux et toujours une opacité et un flux diminué. Voilà, donc après je viens régler tout ceci avec l'opacité finale du calque. Et puis maintenant je vais jouer sur les calques de réglage. Donc ici j'ai choisi le calque de réglage luminosité contraste. Donc je vais lui donner légèrement plus de luminosité de contraste, juste pour réveiller un petit peu la brillance de ce fruit. Je vais venir déplacer un tout petit peu les niveaux de façon à redonner un tout petit peu plus de peps dans les couleurs. Et je vais faire de même avec la courbe. Donc je viens lui donner un très léger S, c'est-à-dire que je diminue en bas, j'augmente en haut. Voilà, je regroupe tout ceci dans un groupe et on peut voir le avant-après. C'est quand même plus dynamique. Bon, une fois que ceci est fait, je vais venir donner un tout petit peu de couleur verte sur la feuille, donc avec une brosse des bords très doux, une opacité et un flux faible sur un nouveau calque. Et puis je viens le mettre en couleur. Maintenant, une étape qui n'est pas obligatoire, à vous de voir. Je sais que c'est une étape qui est très dure pour ceux qui ne savent pas dessiner avec ce logiciel. Je ne vais pas prendre le temps de la détailler, mais je vous la laisse quand même pour les curieux. Donc je vais venir créer un petit peu de cire sur la tige de la poire. Je vais venir regrouper tous ces calques qui m'ont servi à dessiner la cire dans un groupe et puis je vais venir les mettre en dessous des effets de lumière comme ceci. Alors l'étape suivante, ça va être de venir ajouter les coulures en or. Et puis je vais tout simplement m'aider de quelque chose qui existe déjà. Je vais venir prendre des images de coulures de chocolat.
Alors, je vous dis même pas, entre le chocolat, la poire, l'état de gourmandise dans lequel j'étais pour vous faire ce tutoriel. Donc l'important, c'est de choisir des coulures de chocolat qui ont déjà un petit peu cet effet de brillance, un peu glossy. Donc comme on peut le voir ici, c'est juste parfait. Donc je vais venir copier cette image et je vais venir la coller. Ensuite, je vais la réduire. Donc pour ça, je n'oublie pas de maintenir la touche Shift enfoncée avant de cliquer. Et ensuite, je vais m'occuper du fond. Donc pour ça, je vais venir sélectionner le noir avec l'outil baguette magique. Et afin que le détourage soit le plus lisse possible, je vais venir, une fois que la sélection sera faite, cliquer en haut. Vous verrez, il y aura un onglet améliorer le contour. Donc je vais venir cliquer là-dessus. Alors d'abord, je sélectionne. Hop. Ah oui, alors je vais aussi m'occuper d'affiner la sélection. Donc je vais retirer ce qui a été sélectionné qui ne devrait pas l'être. Voilà, donc ici maintenant ce que je vais venir faire, c'est donc déjà je choisis le mode de visualisation, donc ça c'est comme vous le sentez, c'est là où vous êtes le plus à l'aise, ça ne changera à rien, c'est juste la façon dont on voit la sélection. Et puis donc moi j'ai choisi celle-ci, et puis ensuite je viens augmenter très légèrement le contour progressif, mais alors il faut avoir vraiment la main légère. Et maintenant je peux venir supprimer sans qu'il y ait de pixelisation autour du contour, et je viens affiner le détourage en gommant ce qu'il y a entre eux. Donc maintenant je viens choisir une partie de ces coulures. Donc l'important, c'est de faire en sorte que le tout début de la coulure, donc sur la partie haute, à partir du moment où ça commence à couler, est un arrondi qui pourra venir épouser la forme droite de la poire. Voilà, donc je vais supprimer le reste. Voilà. Et maintenant je vais m'atteler à essayer d'ancrer et d'intégrer cette coulure sur la poire. Donc je vais tenter de faire en sorte que les deux courbures ne fassent plus qu'une. Donc toujours sur le tout début de la coulure. Voilà. Ce qui est important vraiment pour ce genre de choses, c'est de faire attention aux petits détails réalistes et de ne pas hésiter à déformer les images de façon à ce qu'elles épousent la forme de l'image de dessous. Donc là, je fais en sorte qu'elles suivent le contour de la poire, et puis donc le bas de la coulure, elle doit être vraiment droite puisqu'elle subit la gravité, donc je vais venir la remettre droite. Pour ça, il existe un outil formidable qui est l'outil déformation de la marionnette, que vous trouvez dans l'onglet édition. Donc pour ça, il vous suffit de venir faire quelques points et de faire glisser ces points, voilà, comme ceci. Ça, c'est formidable. Je vous encourage à vous entraîner dessus, ça demande au début un tout petit peu de compréhension pour savoir comment ça bouge, mais une fois que c'est fait, c'est formidable. Ensuite, il me reste à venir fondre cette coulure sur la poire. Donc une fois qu'on lui a donné bien son mouvement, il faut venir la fondre. Donc premièrement, je lui donne la couleur de l'or. Comme tout à l'heure, je vais dans Images, Réglages et Teinte et Saturation.
Et puis, et bien tout simplement, maintenant je vais venir fondre cette coulure sur la poire, excusez-moi, en lui rajoutant un masque de fusion et en prenant tout d'abord l'outil pinceau noir pour venir masquer grossièrement ce qui dépasse, comme ceci, avant de finir le travail avec l'outil dégradé. Donc l'important, c'est vraiment de ne pas avoir de démarcation, on ne doit pas deviner qu'il y a deux images. Donc ça prend du temps, il faut y aller petit à petit. De toute façon, la photo manip, c'est qu'une question de patience et de temps. On y va petit à petit. Voilà, donc maintenant on touche au but. Je vais finir quelques petits réglages et venir lui donner aussi quelques aspects de lumière par exemple. Donc, on n'oublie pas, donc là on l'a ancré sur la poire, mais il faut que cette éclaboussure subisse tout exactement comme la poire. Donc s'il faut passer par une étape de réglage de lumière, on le fait. Donc on crée un nouveau calque, on vient mettre un petit peu de blanc avec le pinceau en mode incrustation. Et puis on joue soit sur le flou gaussien, soit sur le fond du calque. Donc maintenant je vais venir répéter ces étapes, et bien deux fois pour venir ajouter deux autres coulures. Donc les étapes seront exactement les mêmes. Première chose, je choisis la coulure qui va bien avec le mouvement de la poire. Deuxième chose, je viens lui donner une teinte or. Une fois que je l'ai séparé du reste, je viens lui donner une teinte or. Je l'intègre à la poire et je regarde si les luminosités sont respectées. Tempting God and screaming at your name. The tracks are trimmed and I should jump out of the way. But I think I'm dying. Oh, I'm dying. I never. Alors ici, j'insiste tout particulièrement avec l'outil déformation que l'on trouve dans l'onglet édition, transformation, déformation, pardon, pour venir coller cette éclaboussure sur le rebondi de la poire. Sur le rebondi de la poire. De façon à avoir une grille plus resserrée. Souvent ce qu'il faut faire, c'est de prendre vraiment les pixels en sélection et de ne pas prendre en sélection tout le calque. Si vous prenez en sélection tout le calque, vous aurez une grille vraiment très large et vous aurez du mal à vraiment pouvoir régler votre déformation. Voilà, donc là maintenant ce que je vais faire, c'est essayer d'affiner un petit peu les bords de ces coulures. Donc pour ça, je crée un masque de fusion et puis avec mon pinceau noir, je viens gommer tout ce qui déborde un petit peu et qui est un peu flou. Donc je vais venir le faire sur les trois coulures. Bien, alors maintenant une fois que c'est fait, je vais venir copier la totalité. Donc pour ça on sélectionne tout, on vient dans édition, copier avec fusion, et puis donc ça permet d'avoir une image, un calque qui regroupe tous ces calques, voilà, sans perdre les autres. Ensuite je viens le coller au dessus et puis je vais dans images, réglages et variantes. Alors là c'est un outil qui est vraiment aussi formidable, qui nous permet de modifier les couleurs ou bien d'assombrir. À notre guise. Donc
Donc je choisis des teintes un petit peu plus bleues et sur la droite, je vais choisir un peu plus foncé. Donc sur la gauche, hein, j'ai choisi plus bleu et sur la droite, plus foncé. Donc voilà. Ensuite, je diminue légèrement l'opacité. Et voilà. Et bien voilà, donc ce tutoriel est fini. Donc vous avez pu voir comment on peut obtenir un fruit en or avec quelques petites coulures. J'espère que ça vous aurait été utile. Je serais super ravie de voir vos rendus à vous. Que vous dire de plus? Et bien, ce qui me ferait plaisir aussi, c'est si cette vidéo vous a plu, et bien de me mettre un petit commentaire, que ça soit sur le forum ou bien sur YouTube. Ça vous prendra pas trop de temps et surtout moi ça m'encouragera à aller plus loin. Sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !